Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de me retrouver pour mon stream sur The Next Penelope aujourd'hui. Donc je vais commencer par streamer un début The Next Penelope et comme j'ai dit sur mon stream, en annonce, je ferai sûrement un peu de Brutal Doom, un hommage à The Fly pour finir avant l'été les streams avant les vacances. Donc un peu de Brutal Doom, mais je suis une grosse quiche donc je vous préviens. On va commencer donc avec The Next Penelope, qui est un jeu indé fait par une seule personne qui s'appelle Aurélien Regard, si je me trompe pas, qui est sorti, qui est donc disponible sur Steam, qui est sorti d'Early Access il n'y a pas très longtemps, que j'ai chopé aux alentours de 10 euros pendant les soldes, et qui est plutôt pas mal du tout. Et c'est grâce à son interview sur ZQSD qu'il m'a donné envie vraiment de jouer et enfin d'acheter le jeu, rien que pour le soutenir parce que le mec est vraiment passionné. On sent qu'il aime ce qu'il fait et il galère un peu pour vendre son jeu et voilà, il est tout seul. Donc je me suis dit, pour 10 euros, allez, je le soutiens. C'est toujours cet argent qui ira pas dans les poches de la Warner qui sont pas foutus de faire un patch. Donc voilà, je vais vous présenter ça en faisant quelques parties. Par contre, c'est assez dur et il y a du bon potentiel de rageage. Donc, je vais démarrer ça. Bon, pas grand monde de dispo sur le chat apparemment. Hein. C'est assez calme aujourd'hui. Tout le monde est parti en vacances déjà? Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, le jeu est meilleur avec un gamepad. Donc, c'est lui-même qui le dit. Donc on va jouer à la manette. Ouais, de base la musique gueule un peu. C'est pas terrible, je suis obligé de baisser le son. Je crois qu'il n'y a rien dans les options pour régler. Pour régler le son. Pourtant j'étais sûr d'avoir mis maximum avant, je sais pas, c'est mal enregistré. On va continuer la partie. Donc là, ça c'est la carte principale. Après, je sais pas si c'est la seule ou si on en débloque d'autres. Donc on peut se déplacer pour accéder aux différents niveaux qui sont classés par difficulté. Donc pour l'instant, j'ai fait du médium, j'ai fait un médium. Il y en a un qui est encore que j'ai pas encore fait. Là, on est sur du very hard. Ça c'est les tutos. Et après Impossible et du Very Hard et des missions extra pour gagner de l'expérience supplémentaire. Je sais pas encore exactement ce que fait l'expérience, j'ai pas eu l'occasion de le découvrir. Je vais peut-être commencer par vous montrer les tutoriaux pour vous montrer globalement comment ça marche, les bases. En fait, le jeu c'est un mix de F-Zero, je dirais, et de Micro Machines. Donc F-Zero pour le côté vaisseau futuriste en pilote et Micro Machines passe ses vues du dessus. Et donc il n'y a pas d'accélération. Le vaisseau accélère tout seul. Tout ce qu'on dit de contrôle, c'est la direction. Et donc les virages. Et les armes qui sont avec les 4 boutons principaux A, B, X, Y. Donc 4 armes, je dirais. Un pour le boost. Un pour tirer des lasers, un pour se téléporter, le dernier je l'ai pas encore débloqué donc je ne sais pas. Donc Good luck. je vais vous Get montrer ready. les. 3, 2, 1. Donc ça c'est une course. Donc là j'ai raté mon. Merde. Mon démarrage rapide. Donc les armes sont bloquées pendant le premier tour. Donc il faut tout faire sans armes. Weapons Voilà. activated. Maintenant. Le deuxième tour, j'ai débloqué les armes. Donc à chaque fois que j'utilise une arme, c'est chaud de jouer en train d'expliquer. J'ai la barre d'énergie qui diminue. Donc il faut gérer en même temps la barre d'énergie pour utiliser cette arme, mais il faut pas qu'elle tombe à zéro, sinon on a plus de vie et on meurt et c'est game over, il faut tout recommencer. Donc il y a un mix à faire entre la gestion de sa vie et dépenser assez pour la gestion. De son énergie. Donc là on voit bien que j'utilise le boost en fait. Hop, là en passant par les trucs verts, on récupère de la vie et voilà j'y tiens. Salut Soalé, salut Rada.
Alors là, c'est pas une sorte de Mario Kart, c'est pas forcément des courses. Là, c'est une course, hein. Mais après, il y a des niveaux contre des boss, des... Enfin, je vais te montrer. Donc ça, voilà, c'était un exemple. Maintenant, donc on va faire la suite. Donc, par exemple, ça, c'est du médium, je l'ai pas encore fait. Donc ça, c'est pour récupérer la dernière arme, les Vampire Mint. Donc c'est pas... Mais tu vas voir, c'est pas forcément des... Des courses tout le temps. Bon, y a une pseudo-histoire où on est Pénélope qui doit traverser la galaxie pour aller sauver Ulysse. Bon. Soit. Pour l'instant. On s'en fout un peu de l'histoire. Voilà, toi t'as dans un des vaisseaux d'Ulysse, tu dois traverser la galaxie pour le retrouver. Alors, la mine coûte un peu d'énergie à poser, mais rapporte bien plus à l'explosion. Ok, une contrebande d'une mine. Donc on va tester. Donc, oui, j'ai pas dit pour le contrôle, en fait, plusieurs modes de fonctionnement. On peut contrôler les virages avec les deux gâchettes, soit avec la croix directionnelle droite et gauche, soit avec le stick. Moi, je préfère le stick, bon, voilà. Mais il y a trois façons de faire. Alors, règle, mine, remontez votre vie à 100%. D'accord, bon voilà, c'est faut remonter la vie. Get ready. 3, 2, 1. Voilà, là j'ai réussi à faire mon départ boosté. Bon, bah là j'ai paumé mon énergie, donc je suis mort et je recommence. Des fois, les départs boostés, c'est peut-être pas une bonne idée. 3, 2, 1. Weapons activated. Ok. Bon, c'est mal barré. Ouh là là, ouh là. Oh. Ah! Putain. Putain, j'arrête. Pop, 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 pop. C'est mal barré. Ok, ça remonte. Putain. Putain, il arrête. C'est casse-couille. Voilà. Bon, je vais pas trop parler, je pense, pendant l'émission, c'est assez tendu. Hein, voilà, là c'était pour nous expliquer comment ça marchait. Les mines, alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Course, pas de zone de recharge, ok. Et il est possible de faire un super départ. 3, 2, 1. En fait, il faut appuyer pendant le go, et là je me suis planté. C'est plus facile sur ma recarte. Bon, alors. Ah putain, où c'est mal barré. Oui, je suis assez mauvais à ce jeu, vous le verrez assez vite. En fait, il faut vraiment pas toucher ses adversaires, limite. Oula, c'est quoi ça? Ok. Donc là, il n'y a pas de zone de recharge de vie, donc il faut... Ah, putain! Donc là, je fais trop de la merde, j'ai pris un max de retard. Weapons activated. Va falloir bien économiser sa vie et... Donc là j'ai foutu une mine sur le mec, donc j'ai récupéré un peu de vie grâce à ça. Pas trop utiliser le boost parce que ça me fait descendre l'énergie et... par contre je sais pas, 5 tours, ok. Bon, il va falloir peut-être que je remonte quand même minimum. Parce que là, je suis à la bourre. Troisième. Plus beaucoup de vie. Mon énergie pèse bien. C'est dur de lire le chat, je me prends des trucs au passage. Ah! Fuck!
Putain, c'est chaud. Ok. Ok, on est chaud. Je tiendrai pas pendant une heure de stream ou une heure et demie à ce rythme. Faut avoir pas mal de réflexes. Hop, 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 hop. What? J'étais pas premier? Is it possible? Ouais, t'inquiète pas, Radar sur Brutal Doom va avoir du fail. Mais là, j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé, j'étais pas premier. J'avais plus de vie. 3, 2, 1. Voilà! Ça, déjà, c'est un bon départ. Ah putain de ta mère. Weapons activated. Ok, je suis second, tout va bien. Je ne vais pas lire le chat. Ok, je me reste combien? 3 sur 3 tours sur 5. Wow, comment ça me talonner les... Bon, ils sont où les autres? Oh putain. Ah, scheiße. Putain, mais il est où? Ok. This is the last one. Merde. J'ai raté le boost. Oh, bâtard. Il est où la ligne d'arrivée? Congratulations. Salut Bultom, salut Zad, salut, je sais plus que soit allé, je sais plus si je t'ai salué déjà. Mais d'ailleurs, j'ai même pas lu qu'est-ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut zigouiller les tanks? Oh putain. Ok, sans boss. Sans boss. Oh putain. Attends, attends, faut faire quoi là? Oh putain, je suis mal barré. Donc oui, il y a des combats de... Ok. Oui, ok, j'ai plus d'énergie. Oh putain. Ok, je commence à piger. Ok. Mais oui, il faut pas rentrer dedans. Voilà. Règle les boss, les tanks sur net, ok. Ok. Ce stream de fail. Putain, mais j'arrive pas à tourner. C'est chaud de viser. Mais j'arrive pas à... Thank you.
Eh mais... Filez-moi de la vie! Putain... Le stream freeze, ah, pourtant j'ai pas trop de pertes de FPS, normal quoi. Je sais pas, essaye de faire F5, Z... Ça peut arriver. Putain, je sens que c'est très mal barré. Ça sent le rage kit. Putain. Ah oh, putain. Le truc sent le rage kit. Hop 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 hop. Mais... Ah putain. Ah merde, je me prends mes propres mines là. Oh putain, on n'a pas un fob assez gros là. Ah pour putain. Allez putain. Hop, ça commence très bien. Stream de merde. Jeu de merde. Le vrai jeu de merde, ça sera par contre mercredi. Avec autre... Oh, avec peut-être autant de fail. Sûrement autant de fail. Oh putain. Et oui, je suis déjà dans le rouge. Mais arrête de me tirer dessus, toi! Mais... Putain, je vais pas y arriver. Ah, il est quelle heure? Il est 21h19, merde. À quoi je pourrais jouer sinon à part ça? Parce que là, on est parti pour passer la nuit sur ça, en fait. Bon, moi, contrairement à Bulltom, évidemment, je n'ai pas vu de... Ah putain, c'est speedrun hein. Putain, t'as un race. Ok, du calme. Ah. Putain, j'arrête pas de toucher. Ah merde. Non mais c'est super chaud le contrôle et j'essaye de les... Mais pour... Il faut s'aligner avec eux si tu veux leur tirer dessus. Et faut dégager assez rapidement pour pas les toucher. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. C'est... Surtout qu'avec le... La vue de... D'un haut est assez proche et t'as du mal à les anticiper, tu sais pas s'ils sont proches ou pas en fait. Tu vois là. Putain, tu vois là. Je veux pas leur taper dedans mais. Putain. Ah putain ta mère. J'aurais pas dû streamer ce jeu. Je suis en train de le regretter, mais durement. Je regrette, mais d'une force. Bon, si elle leur force dedans fort, ça ne sert à rien. C'était juste un test. Mais. Ah.
Ah merde! Allez! Hop, hop, hop. Ouais, voilà. Ah putain, mais je peux pas les toucher là. Allez. Oh, je m'énerve là. Oh, laisse tomber, j'ai pas de m'énerver. Bon, c'est un jeu de merde. Je m'énerve. Non, je déconne. Non, il est... Putain, il est... C'est assez frustrant pour le moment. Combat de boss est bien difficile. Mais putain, je peux pas le toucher. Allez, t'entends le missile, tu sais pas où il est, mais... On va allonger les murs. Bon. Si on fait le tour, pour l'instant, je survis. Ah merde. Pour l'instant ça fait très petite bite. Oh putain, je me prends toutes mes mines. La vie du boss ne baisse pas donc... ça ne sert pas à grand chose. Oh putain. Hop hop hop. Espérant que les boss vont se prendre mes mines. Ouh. Je ne sais pas si ça marche des masses, mais... Ah! Ouais, voilà! Je tente, je me la joue petite bite et ça marche. Comme quoi. Sans laser qu'avec les mines. Bon, bah. Soit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Je sais même pas encore comment on peut dépenser l'XP. Allez, on va tenter celui-là. Ah d'accord, là c'est pour... voilà, ça c'est comment utiliser son XP. Alors, imprudence, agressivité... Ah, la vitesse du vaisseau 10%, attaque les sur les flancs... Ah, pas mal ça... Ouais, ça c'est bien. Oh putain, ça c'est cool aussi. Oh putain, là il y en a besoin. J'en ai combien? 412? Ah ouais. On va foutre la résistance. Un peu de vitesse. D'agressivité. Ça, ça va permettre d'anticiper. Allez, on va mettre à fond sur la résistance. Ok, c'est bon. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Là, il y a du extra. All weapons needed. Je ne peux pas avoir tout. Time trial.
C'est encore verrouillé. Donc là, ça c'est fait. Ça c'est fait. J'ai du Veryard. Impossible. Et Veryard. Bon ben, Veryard. Allez, on s'en tape. Black Crystal annule les projectiles, l'écran, elle échange un point d'XP. Ok. LB, c'est lequel déjà? Ouais, c'est celui-là. Laisse appuyer, conserve l'énergie jusqu'au relâchement. Ok. Ça va, je sens que ça va être chaud ce truc. Entraînement Black Crystal, récolté 5 XP. Ok. Get ready. 3, 2, 1. Weapons activated. Ok. Ouais, d'accord, ça limite tout. Ouais. J'ai combien d'XP? 47. Oula, c'est pas loin. Ok. Bon, j'ai compris comment ça marchait. T'as fait de l'XP. Course. Ok. Get ready. 3, 2, 1. Ok, déjà je me suis chié, c'est parti. Ouais, je suis lock, je sais que je suis lock, mais là j'ai un peu. Ouh, putain. Warning, warning, ok. Je suis troisième. Weapons activated. Allez, ta gueule. Chut. Ah merde, il y a un raccourci là. Putain. Hop. Ouais, je sais, j'ai plus d'énergie. Mais putain, il me colle au cul et j'arrive pas à rattraper celui de devant en plus.
Hop, quoi. Ouais, ok. Bon, j'ai un peu trop boosté sur la fin. Get ready. 3, 2, 1. Weapons activated. Ok, je suis troisième. Comme tout à l'heure, quoi. Ah putain, mais vos merdes! Ok, je prends pas le boost, je me chie. Mais il me colle au train, lui. Parce qu'on peut utiliser un téléporteur, mais dans mon cas ça ne sert à rien. Bah oui, j'ai plus d'énergie, je sais. Sauf que je rattrape pas celui de devant et en plus il est loin apparemment. Ok, ça commence bien là. Je n'y arrive pas du tout. Putain, y'a encore un tour? J'y arriverai jamais là. Ok, il a ralenti vachement alors là. Il était intouchable il y a 30 secondes. Oh, 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 oh. Mais arrête! Je transpire. Ouah, wow, il est quelle heure là? 21h36. Ok, allez. J'ai pris un bon départ là. Mais tiens, arrêtez de me tirer dessus quoi. J'ai pas d'arme là, comment vous tirez dessus, bâtard? Je peux rien faire. Putain, mais faut des réflexes de Jedi pour ce truc quoi. Ah, weapons activated. Mais oh, centre, centre sur l'écran, oh.
là il doit y avoir un raccourci quelque part, mais je sais pas où il est. C'est chaud, c'est chaud. Je ne parle pas trop, je ne lis pas le chat, mais vous comprenez, c'est un peu difficile là. Ah, je vous ai pas dit aussi, si on rate le saut, on recommence tout depuis le début. Putain, mais il est où le premier là? Ah, il est là. Ok, on se concentre, on est premier là. On va lâcher quelques mines, voilà. Pouf. Ah, c'était chaud. 30 secondes de pause. Ouais, c'est bon, je suis heureux. Ah là, qu'est-ce qu'il faut faire? Course, première place par tous les moyens. Pff, putain, c'est chaud là. Quoi? J'ai planté? J'ai pas gagné? J'ai perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai explosé? J'étais pas premier? C'est la même? Non? C'est pas possible? J'ai fini second? C'était pas le premier là? Il était où le premier? Non, mais tant que ça? Mais... non, c'est pas possible. Eh merde. Jeu de merde. Mais jeu de merde. Jeu de merde total. Ce qui est bien, c'est que je commence à connaître le circuit par cœur à force. Mais ça m'empêche pas de me prendre tous les murs. Weapons activated. Ok. Je suis second. Non, ça ne sert à rien. J'ai tenté de prendre raccourci parce que des fois on peut se téléporter d'un autre côté, mais non. Come on, first, come on! Where are you, bitch? Oh putain, je me prends mes propres mines.
Oh putain. Bon, je me donne jusqu'à 22h. À 22h, je passe sur Doom. Mais même en ligne droite, c'est chaud en fait. Daté de ce jeu, vous verrez ce que c'est. Mais le jeu est bien, hein. Pour un mec qui a été tout seul à bosser dessus, il est bien. Faut juste aimer rager. Je suis pas mécontent de l'avoir filé mes 10€ au monsieur. Moi ça fera un stream rage. D'habitude je rage pas trop. À part sur Dark Souls. J'avais bien ragé sur Dark Souls. Ah putain. Ah putain ta mère. Tourne. Ok, il veut pas tourner. D'accord. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Ok. Je t'emmerde. D'accord, je t'emmerde. Get ready. 3, 2, 1. Les trucs. Weapons activated. Avec ce virage à chaque fois. Ok, je suis second. 3 sur 5. Tout va bien. Il a pas l'air d'être trop loin. Je sais pas trop où il est, mais c'est pas grave. Je
Allez, là c'est long. Nerveusement, c'est très difficile. Oh putain! Allez, je remonte à fond la caisse là. This is the last lap. Ouais, mais j'aimerais bien savoir où il est l'autre zone. Ah putain, là. Ah non, mais ça c'était. Ah, mais j'ai compris en fait, lui c'est pas. C'est le dernier en fait, c'est pas le premier. Il doit avoir. Je dois avoir un tour d'avance. Oh la culé. Parce que là je suis toujours second. Ah ok, en fait il est loin le dernier, le premier bâtard là. Ok. Try again. Ouais Jibo, tu vas arriver peut-être pour mon rush kit. C'est très difficile. Oui, il n'y a pas des gros pixels pour l'instant, mais ça rage un peu pour l'instant. Allez, mais c'est impossible de d'arriver premier là, il va trop vite. 3, 2, 1. C'est pas possible. Ah. En plus, je suis sûr qu'il y a un raccourci quelque part, mais putain, je sais pas où. D'avoir un moyen de se téléporter d'un virage. Weapons activated. Hop. Ah, je sais, il est là. Là, il y a moyen de se téléporter. Ça arrivait à le placer. Bon, il a l'air d'avoir pris de l'avance, le premier bâtard là. C'est juste après les missiles. Juste après le missile, il y a moins de groupés. Oh putain, je saute pas. Oh, putain, j'arrive à rétablir. Il est loin, en plus le premier, j'ai l'impression. Bon, allez, faut que j'accélère un peu là, faut prendre des risques. Ah merde. De toute façon, si je prends pas de risque, je finirai encore second. Merde. Ah, vas-y. Mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Bon. Dans l'exécution, c'est pas encore ça. Mais dans l'idée, c'est ça. Oh merde déjà. Ah non merde, c'est le dernier. Vas-y, file-moi ton énergie. Hop. Putain. Ouf.
Fast Travel, il est là. Ok. J'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie. Ah! Bon, le téléporteur, il est chaud à placer là. Il faut vraiment se coller quoi. Et il faut pas arriver à contresens. Il est super chaud à placer. 3, 2, 1. Bon, c'était parti pour la soirée gros pixels. Ça va finir en soirée rage en fait. À chaque fois je me le prends là. Putain, mais arrêtez de me loquer les mecs là. Moi j'ai pas droit aux armes sur le premier tour. Weapons activated. Oh, j'ai appuyé là. Oh, il est là. Oh, je me le fais. Oh merde, je me prends ma mine. Oh, ça va. On est qu'au tour 3 sur 5. En prenant bien le truc. Y a moyen. Y a moyen de moyenner. Allez, first! Ya! Yeah. Ah, mais il est là déjà, lui! La gueule! Je suis tel un tennisman en train de servir pour le match là. Oh yes! Wouah! Ah! Ouh! Ah! Ah! Il y a un boss maintenant. Il y a un boss. Le bloc cristal est mis sur une plante comme une. Ah oh, putain. Bon. Ah oh, putain. Bon, faut utiliser des mines et de...
Je crois qu'on va faire la technique de tout à l'heure. Je tourne en rond autour de la map. Qui m'avait plutôt bien réussi. Je tourne en rond en semant des mines. Ça nique pas le boss, c'est pas gagné. Ah, le boss est toujours au milieu, je ne suis pas ce connard. Vous voyez, je sais, je suis dans le rouge. Tout va bien. Allez, touche mes mines là. De la vie quoi. Ah, ouais. Ah, salut gros Matt. Je t'avais pas vu, t'as la même couleur que Jibo. En fait, le truc c'est, est-ce que je peux revenir au menu une fois que j'ai passé le boss. Enfin, une fois que j'ai passé le niveau, j'espère quand même. Recommencer niveau, j'espère que je dois pas tout refaire à chaque fois, non? Ouais, je peux revenir là. Ok, c'est bon. Heureusement. Ah, j'ai 0 d'XP. D'accord. Et je dois tout refaire. D'accord. Ah d'accord, en fait j'ai tout quitté. Je me suis fiché pour rien. Parce que je dois refaire les 3 d'affilée. Si je reviens au menu, j'ai pas le droit. Alors ok, je crois que je vais racheter ce jeu. Ouh, il y a un truc que j'ai loupé. Ouh, c'est de la merde. Bon bah je crois qu'on va passer sur sur Brutal Doom. Je ne sais pas de quoi vous parlez sur le chat. 350 euros. Vous avez des freezes aussi. Tiens, c'est bizarre parce que tout à l'heure j'ai testé ça marchait, enfin l'enregistrement marchait bien. Après je sais pas si c'est peut-être Hitbox qui chie dans le pâté aujourd'hui. Mais non, je sais pas, j'avais testé l'enregistrement tout à l'heure, c'était fluide, donc je vois pas pourquoi ça friserait, mais bon. Et là, je regarde sur mes OBS, ça a l'air de... Ça n'a pas l'air de friser. Donc je ne sais pas. On verra tout à l'heure. Bon, ben je rage quitte ce jeu officiellement. C'est trop dur, c'est trop dur. Je verrai un autre jour. Donc maintenant vous allez voir mon magnifique niveau de merde sur sur Doom. Comme je connais pas le jeu, je vous laisse décider de quel niveau je vais faire. Alors j'ai Z Doom, j'ai Ultimate Doom et Doom 2. Donc je pense qu'il faut prendre le premier Doom. J'ai pas de son. Y a pas du son normalement là. J'ai pas de son. Ok. Ok, ok. Je n'ai pas de son, c'est parfait. C'est parfait. Pourquoi il n'y a pas de son? Putain, il n'y a pas de son. Non, mais pourtant, c'est pas ça. Pourquoi il n'y a pas de son? Merde. Non, le son de volume pourtant il est là. Oui, c'est la 2.0, mais... Putain, ça marchait tout à l'heure, pourquoi je n'aurais pas de son? Merde.
Merde, merde, merde. Je suppose que vous entendez rien, vous non plus. Pour les couilles du shotgun, gros mat, c'est sur la version B de la 2.0, qui n'est pas encore sortie en fait. C'est juste ils l'ont annoncé dans les jours à venir. Mais elle n'est pas sortie encore. Bon, on va tester en lançant. Attendez. J'étais où tout à l'heure? Ouais, il n'y a pas de son. C'est pas top. Se faire un Doom sans son, c'est pas top top. Il y a tout qui plante aujourd'hui, c'est parfait, c'est parfait. Pourquoi ça ne marche pas? Ça me gonfle. Putain, ça me gonfle. Au moins là, ça défoule. Pourquoi j'ai pas de putain de son? Qu'est-ce que je pourrais faire que je n'ai pas de son? Attendez, je quitte. Non mais là je lance une musique, il y a bien du son. Pourquoi? Je me fais troller. Je me fais troller comme porc. Oui, sans son, c'est pas terrible. Attendez, je tente un truc. Bon alors là c'est moche. Et il y a du son mais c'est sur mes haut-parleurs là. Donc là vous aurez le son via le micro. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, il a pas l'air d'aimer mon casque enfin apparemment le jeu. Sinon ce que je peux faire c'est qu'il faut que je relance OBS pour lui faire prendre en compte que j'ai changé mes enceintes. Putain, c'est la merde. Attendez, je tente de switcher, mais. Pourquoi quand je mets le son sur le casque, il veut pas? Il y a un truc particulier à faire. Attendez, je regarde la config de GZ Doom par tout hasard. Est-ce que dans GZ Doom, il n'y aurait pas à lui dire que le. Quelle sortie audio il prend en compte? Chromat, aide-moi! C'est toi qui connais GZ Doom. Gamma, c'est pas ça. Sound Channel. Non, j'ai pas changé de connexion, non? Pourquoi? J'ai rien touché à ma connexion. Pourquoi ça? Il y a toujours du. L'image me paraît meilleure. Ça, j'ai. Peut-être changer l'algo d'encodage, mais non, j'ai rien touché à ma connexion. Peut-être à la fin de l'année j'aurai la fibre, mais. Donc je vois rien dans les options de GZ Doom. Je fais une recherche internet rapido. GZ Doom, no sound. Ah, no sound déjà, il me propose directement un truc dans Google. No sound when using a brutal Doom. Non mais j'ai bien essayé sans streamer et ça marche en fait très bien quand j'ai le son sur mes enceintes, mais pas sur mon casque en fait. Quand je mets dans Windows, je choisis mon casque, il n'y a pas de son. Donc je me dis, est-ce que ça serait pas GZ Doom en fait qui où il faudrait pas changer dans la sortie audio dans GZ Doom en fait. Panneau de mixage. Bah, le panneau de mixage, de toute façon, j'ai le son et haut-parleur G35 et j'ai la sortie audio qui est là. Je retente de lancer le jeu. Il y a toujours un truc qui me merde. Attendez, j'ai une erreur, je crois, en plus. Non, j'ai pas de son. Mais j'ai vu une erreur en fait. Il n'y a pas les logs. Putain, il n'y a pas les logs de GZ Doom là. Je vais la faire à l'ancienne. Je tente de prendre une impression d'écran. Ok, j'ai l'impression d'écran. Ne quittez pas, ne quittez pas. Paint. Allez, à l'ancienne, putain, ça c'est du debug.
Alors, sound init failed using no sound. Ben voilà pourquoi ça ne marche pas. System init return error code 77. Ok, on débug en direct. GZDOOM. Donc, error code 77. C'est de la merde, GZDOOM. Ça me retourne rien. Init failed. Try changing your sound output system to default in the sound setting. Ouais, cool, mais je m'en tape. You have iTunes open, close it, no. Try direct sound or default and press reset sound. What? Bon, désolé, il n'y a pas une config dans GZDOOM pour le son? Non. Non, il ne laisse pas trop le choix. Ne quittez pas, tout va bien se passer. Master violet. Sound MIDI device. Comment je change la sortie son des options en fait? Est-ce qu'il y a moyen de changer la sortie son des options de GZDOOM Chromat? Je ne vois rien dans le fichier de log et après dans le fichier de config. Sound channel égale 32. Flip stéréo. Est-ce que j'ai d'autres options? En fait, c'est juste qu'apparemment, quand je mets la sortie, je mets le casque en tant que périphérique de lecture, il ne veut pas. Il met une erreur à l'init. Pourquoi? Oui, mes viewers s'en vont, bah tant pis, de toute façon. Bah ça arrive, les problèmes de son. Hein. Oui, carte son intégrée. J'ai pas de carte audio séparée. Bon, bah c'est de la merde en direct. C'est la merde en direct. Bah la sortie son par défaut, ce que j'ai fait, je vais dans les périphériques de lecture, j'ai pris mon haut-parleur, enfin mon casque, je l'ai mis par défaut et c'est tout. Comme ça que je fais d'habitude. Et si je remets mes haut-parleurs par défaut, là ça va se lancer. Là. Voilà, ça s'initialise bien. Et il y a bien GZDOOM, enfin il y a bien tout avec le son quoi. Et dans les options. Sans d'options, je peux pas changer MIDI device. C'est quoi ça? C'est pas ça. Pio de système. Non. Speaker mode, pas ça. Advanced. Je peux pas changer directement là-dedans en fait. Non. Et comment tu les as les options de GZDOOM? Parce que moi j'ai le GZDOOM.exe, je le lance, et ça m'affiche une fenêtre avec GZDOOM où je choisis mon WAD, et j'ai pas d'options à partir de là, je fais OK.
Ça lance une espèce de commande DOS et le jeu se lance. Sinon, vous aurez le son via mon micro, hein. Je mets le son un peu plus fort et c'est tout. Il y a le son par mon micro parce que ça sort de mes haut-parleurs. Mais moi, je l'ai pas dans le casque et vous aurez du son un peu déformé. Au pire, hein. On fait comme ça. Hein. C'est vous qui aurez un son un peu dégueulasse. Hein. Moi, ça me dérange pas spécialement. Ça marchait, mais non, ça marchait, mais via mes haut-parleurs. Voilà. Le son sortait de mes haut-parleurs et vous l'entendez via mon micro. C'est pas le son direct. Je voudrais que vous ayez le son de Windows, quoi. Bon, ben on va faire comme ça au pire. Hein. Si quelqu'un peut checker sur Google en attendant, au pire, mais sinon on va le faire via le son du casque, du micro. Voilà. Plus il est un peu fort comme ça. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je fais? Par contre, dis-moi ce que c'est, gros maths, moderne, classique, au hasard. Au hasard. Les différentes classes, je sais pas, j'ai pris moderne, mais. Après, je sais pas quel épisode vous me conseillez, je vous laisse décider sur le chat. Gros maths, qu'est-ce que tu me conseilles quoi? Je suis un débutant, je suis une grosse quiche et je me suis fait tuer un 2-2 tout à l'heure. Et merde, ça me fait dire que j'ai totalement oublié de vous foutre l'image. Désolé. Pas de réponse, il y a du lag sur le chat, un peu de délai, vous ne me répondez pas. Sure as hell, Inferno. Oui, désolé, j'avais oublié de mettre l'image parce que j'active ou je désactive l'image avec une touche et j'ai oublié la mettre. Ça démarre pas automatiquement quand je lance le jeu. Bon, allez, The Shores of Hell. Mon magnifique accent et. Bon, qu'est-ce que c'est? Power Fantasy, I'm too young to die, Hurt Me Plenty, Ultra Violence. Bon, allez, un petit mix Ultra Violence. Knee Deep, tu me conseilles? Ouais, j'écoute Gros Mat, Gnidip, un Ultra Violence. Vous me dites si vous entendez bien, puisque là ça marche avec. Vous allez avoir le son via mon micro donc. Bon, le retour sonore de mon côté est un peu dégueu. Oh putain, je. Putain, mais ils sortent tous les mecs. Hop, 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 hop. Get off, scum! Fuck yourself! Fuck Merde. yourself! Je me suis trompé de touche. Je suis une grosse quiche. J'ai jamais vraiment joué à Doom, je vous avouerai, hein, parce que j'avais pas de PC à cette époque-là. Et voilà, c'est Gros Mat qui me l'a fait acheter au moment de sa hype. J'ai oublié d'écranter ma souris. Ça marche mieux. Ah, c'est bien gore. Oh putain, je suis mort. Je crois que c'était un peu trop chaud là en fait, niveau difficulté là pour moi. Ah merde, en plus faut faire. Faut recommencer. Comment on peut pas revenir au début? Merde, c'est quoi? Attendez. Red Z, c'est quoi déjà les touches? Quick Save, Quick Load, F6, F9. Non, mais ce que je vais faire, un new game parce que. Donc, c'est là que je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas, moderne, classique ou hasard, ce que c'est. Ouais, on va prendre Hurt Me Plenty à niveau en dessous. Et donc, on a dit F6, F9 pour Quick Save, Quick Load. Ok. Je fais ma tafiole, mais là, j'ai trop ragé tout à l'heure. Ah
mais y'a personne là. Ah mais c'est nul en fait, y'a plus personne. Y'a pas de checkpoint test ou Doom, je ne sais pas, donc vous me confirmez que quand on meurt faut tout reprendre si on n'a pas fait de quick save avant. C'est ça. Y'a plus personne. Non, je ne sais pas, je n'ai jamais joué à Doom, donc je peux demander. Hein. Y'a plus personne. Donc il faut faire un coup de F6 si on veut... On s'ennuie là, il n'y a plus personne en fait. Déjà ? Ah mais en fait c'est bien quand il n'y a plus... C'est un poil trop simple là par contre, je trouve. Donc si j'ai fait F6, attendez. Ah mince. En fait, je fais F8 depuis tout à l'heure, les 2 F6, donc ça risque pas de sauver grand chose. Donc l'autosave est un peu plus pourrave déjà. Ah oui, c'est pas... la quick save est pas très quick quand même. Hein. Ça grimpe ça? Ah, j'aurais peut-être pas dû sauter en fait. Mais y a personne! Comment on grimpe? Y a-tu? Oula! C'est quoi ça? Ouais, il fait une roulade! Ouh! Et ils assistent aux touches. Y'a du crouch. Y'a du cotogle crouch ou. Bon. Il n'y a personne. Ok, j'ai ma clé rouge. C'est juste que je ne sais plus où est la porte. Tout va bien. C'était là, je crois. C'est sympathique comme jeu. Très sympathique. Un peu simple pour l'instant, mais... Donc tu me confirmes qu'il y a une vraie quick save pour Matt. Qui oblige pas à quicker. Et arrête, c'est F3, F6, et quick save F6, oh. F2 save, on va tenter F2, mais... Ouais, mais ça m'en fait pareil. Ah, oui, en fait, d'accord, faut sauvegarder une fois, et après... Okay. Oh. Eh, hey, fais-moi descendre un truc là. Donc F6. Peut-être
par là. Oula. Ah ouais, en fait, faut vraiment pas s'arrêter, quoi. Je suis habitué au... Je suis trop habitué au FPS d'assister, en fait. Faut vraiment aller vite et... Ok, je ne sais pas où je vais. Putain, c'est par où? Sauf des trucs, je sais pas trop où. Ok. Oh, fuck you! Il y a des trucs qui me tirent dessus là. Bon, il y a un interrupteur en bas. Il est où? Where are you? Oh putain. Ah mais t'es là-haut toi, bâtard. Bon, je ne connais pas du tout le jeu, donc je sais pas trop où faut aller. Hein. Bon, une clé. Fuck yourself. Bon, c'est pas le speedrun que vous aviez fait, Toi Jibo, hein, gros mat. Désolé pour le niveau de jeu. Désolé à tous mes viewers. Je ne joue pas aussi bien que gros mat. Mais je découvre. Oh putain. Oh fuck. What is this shit? Comment on rentre là-dedans? Y'a moyen de rentrer dans les petits trucs comme ça? Pas pour rousser, mais j'ai ma clé bleue. Oula. Oh. Ok, il y a des monstres, donc c'est pas là. Ah ouais, ça peut être loin les. Oh putain. Lui il va péter là. Ok, une clé en plus. Alors, putain, je suis paumé maintenant, c'est trop labyrinthique. Elle est où la map? Elle est où la flèche qui me donne la sortie? Oh, je suis trop habitué. J'espère qu'il y aura ça dans le prochain Doom. Une grosse flèche. Pour dire c'est par là. Fuck yourself. Tab. Ah ouais, il y a une carte. Oh putain monsieur, ouais. Je comprends rien. Soit. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas Quick CV. Ça aurait pu être une bonne idée.
Mais ils auraient vraiment dû mettre des checkpoints. Ça aurait été mieux. Un bon checkpoint tous les 10 mètres. Ouais, bah quel monstre. On va tourner en enfer. C'est quoi ce bruit? D'ailleurs, j'ai quoi, quoi? Non, juste... Merde. Un chain gun... Pistol, shotgun, chain gun, rocket, plasma rifle... Ouais. Bon, secret 0, hein. Pas de top top. 82% de kill. Alors, F6. Le shotgun, faut se rapprocher, c'est chiant. Oh! J'ai une quiche au shotgun. Oh putain. Oh putain. Faut comment je sors de là, moi. Allez, remontons. Oh putain. C'est ça. Pourquoi je suis en train de crever là? Pourquoi c'est ouvert? Pourquoi c'est ouvert? Je le sens pas là, je le sens pas. Oh putain, il a une grosse mitraille lui. En fait, j'ai rien. Oula! Par où? Putain, je sais pas où c'est ouvert, j'y vois rien. Ah d'accord, c'est vert, j'ai la combinaison, faut le savoir quoi. Oh merde. Oh, je suis en train d'en chier là. Ouh, ça sent le fail, ça sent le fail, je ne sais pas combien j'ai de vie, 30%. Ok. Par où là? Je suis revenu au point de départ là. Sinon un croiseur ça pourrait aider effectivement, mais je ne sais pas comment ça marche. Option. C'est dans quoi ça? Player setup. Non, sans tap. Classe moderne. Ah, tu peux changer ton skin ou pas? Oh, on peut jouer une femelle. Auto-aim? Qu'est-ce que c'est auto-aim? Never? Very low? Y'a un auto-aim sur Doom? Qu'est-ce que c'est ce truc? Always run? Merde, c'est dans quoi? Gameplay? Smart auto-aim? Off, quand même. Double ammo, infinite ammo, ça pourrait être sympa ça. No monster, ça pourrait être très sympa aussi. Monster and spawn, no red spawn. Allo free look, allo jump, allo crouch. Je ne sais même pas quelle touche c'est pour le crouch, mais c'est pas grave. Dans quoi? Rotate automa, pas
des... Ah, crosshair. Force défaut crosshair. On, allez, on va voir. Droit pick up items. Y a pas de crosshair. Ah voilà, petit crosshair, on va voir si c'est mieux. Ouais, je me suis encore planté, putain de ta mère. Vous avez remarqué, je n'ai pas activé le tour de l'invincibilité. Oh, oh, oh. Effectivement, ça va un peu mieux. J'en chie quand même. Ah, une clé. C'était quelle touche? J'ai pas gagné une nouvelle arme là? Bah. Pas un fusil plasma? Effectivement, pour le crosshair, ça peut être. Non, mais là on s'en tape par là. Bon, j'ai la clé bleue. Faut trouver la porte bleue. Peut-être par là. Shut the fuck up! Get off, scum! Vingt-trois pour cent. Tout va bien. Tout va bien. Ta gueule! Ta gueule, le monstre! Bon, c'est beau, c'est 100 fois plus nerveux que tous les FPS d'aujourd'hui, hein. Ça j'avoue. Oh putain. Wow. Salut Manowars, viens voir mon skill à Doom, ou pas, plutôt mon absence de skill. Moi, je vais essayer ce truc. Ça va trop vite. Pour l'instant. J'ai la clé dorée. Where is the door? Yeah. Ici.
Bon, 96% de vie, un petit F6 quand même. Putain, il est cool ce jeu quand même. Ça a combien? Ça a plus de 20 ans ça? Oh putain, oh le bordel. Ouh. Eh. J'ai bien fait juste de faire un quick save juste avant. Putain. Ah ouais. J'ai eu de l'instinct quand même sur ce coup-là, je veux pas dire. Bon. Faut les faire venir là. Mais... je sais que vous êtes là. Putain. Tout va bien. 14% de vie. Tout va très bien. Oh merde. Ok, je suis revenu à 40k. Oui, mais j'ai essayé les barrels, mais il y a tellement d'ennemis devant le barrel que... j'y ai pensé, c'est le premier truc que j'ai pensé justement. Faire péter les barrels pour faire péter les ennemis, il y a tellement de trucs devant que j'ai... Par contre, comment on fait pour sauter aussi loin et... Il y a un typo... T'es obligé quand même de... Parce que là je peux pas quasiment bouger quoi. Ok, donc là ça a dû ouvrir un truc. Je ne sais pas trop quoi. Nice. J'ai bien fait de sauter quand même. Secret dans le renforcement derrière, Jack. Quel renforcement derrière? Mais sinon, non, j'ai jamais regardé les speedruns de Doom ou quoi que ce soit, à part hein, les quelques streams de Gros Mat et des Jibo. Ça doit être tout. Je fais pas mon Rada. Mon Bulltom plutôt, désolé Rada. Attendez. C'est par où là? J'ai chopé la clé dorée. Ah, pas de feu. Ah, ok. Secret en haut. Parce que là, c'est pas par là, c'est là où je viens. C'est moi, je viens de là donc. Merde, il y a des trucs qui arrivent. Bon, pas trop de save auto. Non mais là c'est là d'où je viens. Ça c'est l'entrée. Il y a un truc qui a dû s'ouvrir quelque part. Style là. Style là en fait. Tout va bien. Quoi? Oui, mais... là où il y avait la combi, il y avait des trucs. Tant pis.
peu 3. Il est bien ce shotgun. Là, je dois pas avoir la clé bleue. Elle est bloquée juste là. Donc là, il y a un truc qui s'est ouvert. Mais la clé. Putain. Putain, casse-toi! J'y vois rien. Putain. Oh, cette zone. Des monstres, là, le sang. Pourquoi ça clignote? Ça me fait mal à la tête. Y a quoi à se trouver ici? Y'a un secret? Ça doit être lent. C'est un chou là. Ok. Fais mal au crâne. Ah! Ah, exit. Bon, 11% de secret, bon. Eh bah, 100% de kill quand même. C'est l'heure 22h45, vers 23h j'arrêterai par contre. Faut pas trop continuer. Ammo 28, ça va. Hop, on récupère ça. Tac. Oh putain. Oh putain. Oh putain. What the fuck? Cette nervosité. Oh, c'est bon. Je sais pas combien il est le jeu de base, mais en tout cas celui-là, c'est vraiment pas mal. Je sais pas en quoi ça, combien il est modifié justement Brutal Doom par rapport au jeu de base, mais putain c'est bon. J'ai pas le droit de choper le. Non, j'aurais pensé choper la mitraillette. Fuck yourself. Tant pis. Alors. Il y a des trucs à faire là, il doit bien y avoir un truc à choper. Il n'y a rien chopé ici. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce niveau? Bon. Putain ta mère, je t'avais pas vu. Là, en fait je fais le tour. Y a un truc à choper là, je le sens pas par là-bas. Par vous.
ça roule, là il y a un truc bleu, bleu de côté. Tac tac tac. Ok. Non mais c'est pas. J'ai la clé bleue mais c'est pas ça. Ah c'est par là. Merde. Partout ici. Oh là là là. Ah non mais en fait là c'est là où je viens donc c'est bon. Tac tac tac. Putain. Passage ici. Pop pop pop. Ok, il faut la clé jaune. Soit. Alors attendez. Là il faut la clé jaune aussi. Je suppose que là aussi. Attends, j'avais trouvé la porte bleue, ouais, ok. Attends, tac, tac, tac. Ouais, c'est par là. Ok. Allez, tout va bien pour l'instant. Ok. Oh là, merde. Chut. Donc je dois trouver la clé jaune. Bon, j'avoue que pour l'instant la difficulté est pas trop élevée quoi. Mais vu comme j'ai galéré tout à l'heure rien que sur le premier niveau. Ok, j'ai la clé jaune. Oh. Ennemi invisible de mes couilles. Quand même pas l'auto-aim. Attends, faut pas abuser quand même. Putain, j'avoue que le level design est quand même bien foutu. J'avoue. Tiens, il y a un petit con, je suis pas allé là-dedans. Putain, non. C'est pas du tout par là. C'est par là. Bien sûr, les trucs qui m'attendent derrière la porte. Oh putain! Ok, 25% de vie. Peut-être pas déconner non plus, quoi. Oh putain, 12%. Je suis mal. Je suis mal, je ne sais plus quand est ma dernière sauvegarde. Orage. File-moi de la vie, file-moi de la vie, de la vie. Ah oh, merde. Putain, je suis où? J'ai chopé la clé, ouais, j'ai chopé la clé. Ok, c'est de l'autre côté. Putain. Putain, ce design. Non.
Ok. Salut Bromat, bonne nuit. 22h53, je vais essayer de finir le niveau et on s'arrête là alors. Je rush. Ok. 36%, ça devrait être faisable pour s'en sortir. La sortie devrait pas être bien loin là. Putain, c'est quoi les trucs de l'autre côté là? Il y a des trucs rouges là, je ne sais pas. Ok, je sais pas ce que ça débloque. J'ai reçu, je sais pas trop quoi. Putain, je sais pas du tout, je suis ta gueule, toi. Ok, là il y a un interrupteur. Oh putain! Ouh! Oh popo! Oh putain! Je me suis fait gangbanger. Il était là mon truc? Merde, je croyais que j'allais sauvegarder un. Hein. Ah merde, j'avais pas fait de save. J'avais pas de save plus près. Oula, j'en chie. Allez. Finalement, il y a des passages quand même assez chauds. Il y a les autres invisibles, je parie, voilà, ils sont là. Alors, qu'est-ce que ça a ouvert là? Ah, il n'y a rien de secret là. J'ai toutes les clés. Je sais pas trop où que j'aille maintenant. Pouf, ça a dû ouvrir un truc ça. Ah. Ah oui, c'est les trois qui m'ont gangbangé là. Ouais.
Ok. Donc, ils vont arriver là. Putain, mais ils me bloquent en plus. Ok. Putain, mais je me fais gangbanger d'une force sur ces mecs. Fuck you! Go fuck yourself! Ouh! Eh, 22h59, parfait, on va s'arrêter là. Petite sauvegarde, et save. 6 juillet, c'est de l'autosave. Allez, hop. Hein. On va sauvegarder au cas où. Et voilà. Bon, bah. Ouais, bon, j'ai quand même réussi à faire le niveau, mais putain, ouais, le level design est vraiment bien, quoi. Il a pas trop vieilli, quand même, le jeu. Hein. Le feeling est quand même assez énorme encore aujourd'hui, et pourtant j'ai jamais joué à Doom à l'époque, donc je peux même pas dire que c'est la nostalgie qui joue, parce que voilà, j'ai jamais touché au jeu. Je l'ai vraiment touché depuis qu'il y a eu la hype de Gromat avec Brutal Doom, mais c'est vraiment excellent. Sacré feeling, voilà. Si vous voulez y jouer, je conseille. Donc, je vous dis merci d'être venu, merci d'être passé me voir rager sur la première partie du stream sur... The Next Penelope, qui est très rageant, très rageant, c'est un bon jeu, mais très rageant, très difficile, mais franchement, le développeur m'avait convaincu à l'époque sur ZQSD d'acheter son jeu, et il vaut les 10€, donc vraiment, vraiment bon jeu. Et là, bah, Brutal Doom, ça coûte 2€ sur Steam pendant les soldes, franchement, acheter, c'est toujours aussi bon, le feeling est trop énorme. Je vous donne sinon rendez-vous mercredi soir. Pour le dernier stream de juillet que je ferai, donc là j'en fais deux cette semaine exceptionnellement, puisque je ne suis plus là fin juillet, et ça sera sur un jeu de merde qui est Deadly Premonition. C'est le. Comment ça s'appelle? Le Alan Wake du pauvre, un espèce de mix entre Twin Peaks, la série, et Alan Wake pour un jeu vidéo digne de. Aussi bien porté que Dark Souls au niveau des graphismes. C'est voilà, c'est le portage fait par des japonais, vous verrez, c'est excellent. Moi j'avais rage quitté au bout de 2 heures la première fois, là je vais essayer d'aller plus loin. Je vous laisserai découvrir ça mercredi. Je ne vous en dis pas plus, j'espère que vous serez là. Allez, bonne nuit à tous et à la prochaine. Salut, bonsoir, ciao.